Au départ. Et c'est parti. Et oui, et c'est Blackbird et Marine Gauvet, donc la coupe de Léon Rafestin, qui a pris la tête, qui a pris ses seconds. Avec Léon Rafestin qui essaye d'évoluer. Voilà, qui vient prendre. Qui évolue côte à côte, on dirait bot-bot au galop avec sa coach. Une allure pour l'instant qui est modérée, mais les poneys sont bien cadencés, bien dans les allures. Parce qu'au trot, la plus difficile est de rester cadencé dans les allures. Bien sûr, le galop est éliminatoire, mais le trot, les allures autres que le trot régulier sont également répréhensibles. Tu crois qu'ils vont faire du amble? Ah ben, on n'espère pas, mais avec les poneys, j'ai appris que tout était possible. Alors maintenant, c'est donc le numéro 2 qui est en tête. Caprice, va-t-elle pouvoir être rattrapée par Blackbird? Telle est la question, puisqu'ils sont dans le tournant et qu'ils vont passer devant les tribunes. Toujours le même concurrent en tête et toujours la même allure. Caprice qui a l'avantage de Blackbird. Il vient dans son dos, on discute entre... Il y a un deuxième tour, non? Oui, ils refont un tour. C'est reparti pour un tour avec Caprice, donc il est lourd, un quel avantage. Mais voilà, sa coach Marie Gauvet qui vient à l'extérieur et qui, en relais, reprend l'avantage dans le trou. Ça marche énormément par relais, c'est très tactique. Ah mais attention, faire l'extérieur sur la piste de Vomas, est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de tournant relevé. Eh oui. Mais Caprice, ils évoluent en relais puisque Blackbird vient de reprendre l'avantage. On l'a contré avec Caprice. Ils sont dans la ligne opposée. Ils ont déjà accéléré l'allure. Hein. Bien qu'ils évoluent ensemble, l'allure est plus soutenue désormais puisqu'ils vont aborder le tournant final dans quelques instants avec Caprice qui a toujours l'avantage. C'est toujours. Bien la casaque noire et jaune avec Léo Rafestin et qui voit dans son. Blackbird avec sa coach Marine Gauvet qui a une casaque bleu, manche jaune, top verte. Il vient avec... Il va falloir les encourager. Les deux poneys qui donnent donc leur pleine mesure et aux abords du poteau. C'est Caprice qui prend le galop. Caprice qui prend le galop à 200 mètres du poteau. Et bien voilà Blackbird qui s'impose avec Marine Gauvet.